Salut, bonjour. Avec un peu de chance, nous allons finir aujourd'hui cette troisième partie des événements qui ont changé notre monde par Thomas Williams du site THI ou The People's Club. Alors on avait fait un petit rappel de cette incompatibilité d'humeur entre l'humanité et ces traités qui avaient été passés avec les grilles par Eisenhower et qui ont été renouvelés depuis, qui possèdent en petits caractères en bas, vous savez, là, comme des bacs d'or hein, qui leur permettent de se servir en cheptel d'enfants et bon, d'humains, hein, en gros, et essentiellement des enfants, à des fins diverses, depuis les expériences jusqu'à pire. Donc, on passe en petit et on y va. Et à la suite du témoignage de Michael Prince, James Cashbolt, nous allons passer à celui de Arizona Wilder. Il y avait une vidéo qui tournait il y a une époque, c'était une interview, me semble-t-il, par David Icke, jeune à l'époque. Et elle s'appelait, elle nous dévoilait son rôle de reine Illuminati, reine de cérémonial, voire même de formatrice. Enfin bon, il va peut-être nous détailler ça maintenant. Son nom, c'était aussi Jennifer Green. C'était peut-être normalement Jennifer Green. Mais Green n'est pas son vrai nom non plus. Elle a été programmée et entraînée à conduire des rituels sataniques sous l'égide de Joseph Mengele, qui lui aussi s'appelait Dr. Green, hein, donc, quand il voulait. Et il a pris toutes les couleurs, hein, comme on disait. Mais il y a aussi des projets américains qui ont toutes les couleurs, comme ça. Projet Blue, projet Red, et à la fin, il les emballe tous sous le projet Rainbow, projet arc-en-ciel. Vous avez parlé du projet arc-en-ciel, ça peut être un autre projet dedans, inclus. Puis par la suite, ils sont même amusés à donner les mêmes noms à divers projets de façon à brouiller les pistes. Divers projets qui n'ont rien à voir entre eux. Et comme ça, ça permet d'en camoufler. Hein. Enfin bon. Reprenons. Ça nous rappelle un petit peu l'histoire de Svali. Hein. Svali aussi, c'est une ex-illuminati qui a échappé à la secte et qui dévoile des choses. Mais ça se lit par écrit, Svali. Oui, ça se lit donc. C'était pas une victime. C'était une programmatrice. Une entraîneuse. Dans le sens de qui dirige l'entraînement. En fait, donc, ça c'est le programme Green, qu'il a détaillé dans d'autres vidéos. Par contre, il va nous parler du programme Blue, hein, bleu, puis ça concerne tout ce qui est les IT normalement. Blue Book, Blue Beam, Blue Aliens, Blue Avian. Non, il y a des avions, hein, des avions. Ben, Tote est un a priori, entre autres. Mais l'affaire Good, c'est plutôt projet Blue. Il nous parle de Blue Avery and Blue Reverend. Check out the Blue Brethren and you're going to see a load of ET people. Et a priori, quand on va s'y intéresser à ce projet, on va pouvoir avoir un œil plus exercé au niveau critique vis-à-vis de tous les témoignages exopolitiques dans lesquels nous baignons. Aïe. Ben, ça veut dire qu'on va découvrir sûrement le nom de quelques-uns des personnes qui nous donnent des indices, qui nous font des révélations, et qu'on va se rendre compte qu'on s'est encore fait manipuler. Mais bon, n'oublions pas, la désinfo, c'est vous reprenez, c'est aussi, vous reprenez le sujet en question et vous y adjoignez des petites pépites fausses, hein, qui s'avéreront fausses plus tard, de façon à
quand elles seront révélées, pouvoir démolir toute la structure que vous aviez amenée. Il ne faut pas oublier ça non plus. Pourquoi ont-ils besoin de faire des projets faux, si ce n'est pour camoufler des projets vrais, hein ? Il y a une certaine, un raisonnement logique là derrière. Pourquoi est-ce qu'ils dépensent des millions de dollars pour camoufler des fausses histoires qui n'existeraient pas ? C'est, hein ? C'est spécial quand même. Hein ? Non, non, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, on y dépense des milliards de dollars pour camoufler l'affaire. Bien. Il nous dit, mais il y a des éléments de vérité dans chacun de ces témoignages, malgré tout. Ouais, c'est ça. Alors ensuite, vous avez le Black Sun. Black Sun, le soleil noir. Black Trust. L'aigle noir. L'étoile noire. Black Rock. Black Water, sûrement aussi. Hein. Of the color-coded programs. Qui sont issus de ce programme codé. Ou à la tête. À l'origine. Ah, je ne sais pas. Les deux. Bon, il citait aussi Black Dragon. Alors, reprenons avec Arizona Wilder. Tools in which the Queen of England, the Queen Mother, and other members of the British royal family sacrificed children in satanic ceremonies. She talks of the. Alors, je vais vous le traduire. Mais bon, je voulais que vous l'entendiez de sa bouche. Elle nous décrit comment elle a conduit des rituels sataniques à des fins de sacrifice d'enfants en présence de la reine d'Angleterre et d'autres membres de la famille royale. Bon, Saxe-Gotha-Coburg, hein, c'est un peu à la base de ces familles-là, me semble-t-il. Elle décrit les mêmes expériences avec Henry Kissinger, George Bush, Bill Clinton, members of the Rockefeller and les membres de la famille Rockefeller et Rothschild, Charles families, and a host of the most famous names in the United States. Je vais vous remettre ça hein, quand même, hein, parce que bon, moi je trouve que on n'a pas plus de preuves quand c'est lui qui nous le dit que si c'est moi qui vous le raconte, évidemment. Sauf que bon. The members of the British royal family sacrifice. Là. Arizona Wilder describes how she conducted rituals in which the Queen of England, the Queen of England, the Queen Mother, la reine mère, sa mère aussi. Other members of the British royal family sacrifice. Bon, on ne sait pas lesquels, d'autres membres. Sacrifice children in satanic ceremonies. Mais de toute façon, Kevin Annette du l'ITCGIS, je crois. C'est un ancien prêtre défroqué qui a été répudié par l'encadrement parce qu'il faisait des enquêtes sur les enfants disparus. Et il reproche aussi à la reine d'être passé un jour et d'avoir fait disparaître 12 enfants d'un orphelinat, les emmener en promenade, ils ne sont jamais revenus. Elle était passée avec des membres canadiens, du gouvernement canadien de l'époque. Voilà, Kevin Annett, A2NE2T. Et enfin, bon, je crois qu'ils se connaissent en plus avec THI, en tout cas, il en a déjà parlé. She talks of the same experiences with Henry Kissinger. Donc, elle nous parle des mêmes expériences avec Henry Kissinger. George Bush. George Bush, non? Bill Clinton, members of Bill Clinton. Of the Rockefeller and Rothschild families. Des membres des familles Rothschild. The most famous name in the United States. Et certains des noms les plus fameux des États-Unis. And the United Kingdom. Et du Royaume-Uni. Your view of the world will never be the same when you hear these. Votre vue du monde ne va plus jamais être la même lorsque vous allez entendre cette liste ou ce type de révélation. Donc là, il nous reparle de Svali, qui nous raconte la même chose, hein, à peu près. C'est ses entraînements,
il nous raconte ce qui s'est passé, il nous raconte la pression sous laquelle elles étaient. Bon, parce qu'il les traite quand même, il dit qu'elles étaient tortionnaires et non pas torturées. Alors, elles l'ont été torturées aussi, me semble-t-il. Hein, tous ces enfants d'Illuminati là, commencent par souffrir eux-mêmes quasiment la même chose que les victimes, qui, elles, n'en ressortent pas, tandis qu'eux sont épargnés, évidemment, normalement. Peut-être pas le premier de la lignée, d'ailleurs, des fois. Non, mais c'est la méthode crocodile. Hein. C'est le premier œuf qui éclot, qui voit bouffer les autres. Hein. Ah. Enfin bon, c'est moi qui rajoute ça. On reprend. Donc, il y a un groupe particulier de reptiliens qui est descendu sur Terre il y a 4000 ans. Why? Pourquoi? They followed the aliens. Eh bien, ils suivaient les aliens. Whose bloodline they want to keep pure as they need. Dont ils voulaient garder pure la lignée sanguine, familiale. Their blood for their use. Parce qu'ils en ont une utilité. Hein. Eh bien, a priori, d'après ce qu'on connaît du Bussegui et des révélations de Radu Sinamar, il y a cette idée comme quoi le corps physique est, on va dire en clair, en illustré, est généré par l'ADN et qu'une certaine qualité d'ADN permet à certaines qualités d'âme de venir s'intégrer pour animer la machine. Quelque part. Donc, les ET en question ont un terrain d'accès favorisé lorsque dans une famille, l'ADN tourne autour de celui qui correspond à leur vibration à eux. Bon, c'est un peu brouillon ce que je vous ai sorti là, non? Ça, vous avez compris. Au cas où, on reviendra dessus. Ah, il parlait d'Ariens. Il cherchait donc un type aryen, les yeux bleus. The blood of the aliens. They prefer. Le poil blanc. To impregnate aliens with the semen of the head of the Illuminati, known as Pindar. Et donc, ils préféraient. Leur but, c'était d'inséminer cette ligne sanguine par celui qui était à la tête de cette lignée Illuminati, dont le nom est Pindar. Illuminati. Je suis Bodork, ça peut s'écrire comme le cirque Pindar. Élucubration personnelle. Les cirques, c'est une vieille tradition, une très très vieille tradition, et ça part du tour de la Méditerranée, et ça monte depuis l'Égypte ancienne, d'où provenaient ces gens qu'on a aussi appelés bohémiens. La Bohème, c'était cette région qu'ont habité par la suite les crypto-khazars. Je crains de faire un raccourci un peu court, là, mais je pense que tout ça est encore lié aux sources égyptiennes, à la rencontre du cinquième type qui a eu lieu en Égypte avant d'autres par la suite. C'est-à-dire l'endroit où les ET parasites ont commencé à interférer sérieusement avec l'humanité. Bon, reprenons. Bon, pour ceux qui suivent la série From Russia with Love, bon baiser de Russie, on avait traduit ça, mais ce n'est pas le titre. C'est Depuis la Russie avec affection, avec amour. Il y en aura plus dessus, il y en a plus qui est dévoilé là-dessus. En fait, cette lignée Illuminati a poursuivi les Aryens sur tout l'univers, si j'ai bien compris. Vous savez, l'humanité qui provient de la lyre et qui est chassée par des dracos depuis belle lurette, quoi. Depuis là-haut, en passant par Procyon, etc. Enfin, il y a toute une pérégrination jusqu'à la Terre,
de l'origine de nos gènes. Voilà. Parce que par la suite, ils ont été bien mixés quand même. Par de multiples espèces Ziti, qui chacune essaye de tirer à leur avantage la couverture. Attirer la couverture à eux, afin d'avoir pour avantage la facilité de contrôle de l'espèce, soit en incarnation, soit aussi comme proxy, ce qui organise toute notre histoire guerrière en général. D'une part, les religions, d'autre part, et troisièmement, le retard évolutionnaire global de l'humanité, du coup, puisqu'à chaque fois qu'on a une guerre, une lutte, des crises, nous n'évoluons plus. Les gens disent, à partir du moment où ils passent plus de temps à chercher dans leur journée de quoi manger, se nourrir, se vêtir, se protéger, enfin bon, à partir de ce moment-là, on a moins le temps de réfléchir, on a moins le temps de s'instruire sur d'autres sujets. On ne vous paye pas pour faire des recherches en bibliothèque en général, quoi. Et puis, de toute façon, il faut trouver la bonne bibliothèque, celle dans laquelle il y a les vrais écrits, qui n'ont pas été traficotés, parce que vous pourriez tomber sur une version originelle de la Bible, pas traficotée, du genre de celles sur lesquelles sont tombés Mauro Biglino, ancien traducteur pour le Vatican, et puis tomber sur une description des faits qui est malgré elle fausse, hein, ou déjà orientée de façon à devenir une programmation prédictive avec des prophéties, qui sont en fait une feuille de route que les gens qui sont au pouvoir, toujours issus de ces familles-là, tâcheront de suivre la feuille de route. Bon, c'est la fin de l'élucubration. Donc en fait, ils poursuivent cette race blanche depuis des milliers d'années parce que l'ADN qu'on a des capacités que les autres n'ont pas. Voilà. Enfin, l'ADN qu'a, en tout cas, l'espèce aryenne, plutôt grande, blonde, les yeux bleus, etc. Bleu ou vert, ben, je sais pas. En car, oui, il y avait un iridologue qui avait dit que quand on finissait de se détoxifier, nos pupilles revenaient à trois couleurs principales. Enfin, la bleue, la verte et la brune, ou la marron, la noisette. Je pense à un gag avec Boulet-Mille. Excusez-moi, on reprend. À propos de noisette, Arizona Wilder avait été identifié en tant que sang bleu ou appartenant à la lignée sanguine avant même sa naissance. Elle a été qualifiée de mère déesse, ou déesse mère, mother goddess, parmi trois autres uniques personnes qualifiées en tant que telles sur Terre. Bon, là, Thomas Williams nous dit, il est désolé, mais d'après lui, ça fait partie de son programme à elle. Ils vous disent toujours que vous êtes spéciaux, vous êtes spécial, vous êtes une personne spéciale, vous avez des dons spéciaux, de façon à vous donner confiance dans la tâche qu'il vous donne, à vous faire vous incarner plus professionnellement dans la mission pour laquelle vous avez été choisi finalement, au détriment de votre bon plaisir, hein, au gré. Il semblerait que les déesses mères aient été bannies de la planète pour avoir abandonné la planète. Dans des temps anciens. Ah, information intéressante. A priori, les reptiliens n'ont pas les pouvoirs psychiques nécessaires, donc ils vont se servir de ceux qu'ils puisent par le biais de ces liaisons génétiques dans d'autres espèces qui, elles, l'ont, parce que leur but à eux, c'est de maîtriser les événements justement par des biais psychiques. En cas, parmi tous les remote view, il y en a un qui s'appelle l'influence par remote view, si on peut dire. C'est-à-dire que par remote view, ils vont faire le film Inception.
la personne pénètre dans les rêves d'un autre et finit par faire en sorte que ce qui se passe dans le rêve influe sur les décisions que la personne va prendre consciemment dans la journée par la suite. Alors dans le film, c'est une question d'héritage et tout ça, et d'avenir de, je ne sais plus, une entreprise qui a... Enfin bon, c'est un exemple en plus. Mais par exemple, les Américains et les remote viewers américains avaient remarqué à certaines occasions que lorsqu'ils allaient voir et espionner les Russes, ils voyaient tout ce que les Russes étaient en train de faire, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les Russes les attendaient. Il a préparé cette, ce décor d'action de remote viewers entre eux, de façon à ce qu'en fait, ils n'aillent pas voir ce qu'il se passait vraiment. C'était comme un appôt majeur qui vous attire plus que la vraie proie. Bon. Un leurre, c'est le mot que je cherchais. Donc, ils tâchent de prédire ce qui va se passer dans les événements et ensuite, ils se débrouillent pour en prendre le contrôle. C'est aussi la raison pour laquelle The Yellow Book, The Yellow Cube, la technologie d'Orion qui permettait de voir le futur, le chronographe, cette invention moyenâgeuse qui permettait de voir des scènes du futur. Bon, il y en a qui l'ont pratiqué ça, hein, puisqu'ils ont ramené des images de la crucifixion, ils ont ramené des images assez... Ils ont choisi les trucs à aller voir. Hein. Donc, l'image de la crucifixion, enfin, en tout cas, avec, me semble-t-il, Jésus et puis un autre à côté. On l'a vu, hein, elle est sur le net, elle est en noir et blanc, c'est assez intéressant. Et les autres, non, moi, je n'en ai pas vraiment d'autres en tête. Il y en a peut-être. Donc, ça a aussi rapport avec la technologie Looking Glass. Looking Glass, c'est miroir. Hein. La glace. Et les filles de la société Vril. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont invoquer un esprit dans une autre dimension. Et Thomas nous dit peut-être même un autre univers. On fera une vidéo là-dessus plus tard. De façon à faire la symétrie de la cérémonie qui est en train de se dérouler là, ici, en 3D, dans l'autre dimension. Donc, pour ce faire, ils ont aussi donc besoin de quelqu'un qui a des pouvoirs psychiques qui dépassent leurs capacités. Moi, on m'avait décrit les reptiliens comme étant tellement psychiques qu'ils étaient capables de savoir ce que vous alliez faire avant même que l'idée nous en vienne en tête. Raison pour laquelle, en cas de bataille, déjà qu'ils sont forts comme 12 hommes, ils sont redoutablement efficaces et difficiles à subjuguer. Ce qui n'a pas empêché certains militaires de pratiquer une autopsie sur quelques-uns d'entre eux. Donc, il y en a quelques-uns qui sont tombés. Il y avait cette idée comme quoi aussi il y avait eu des bagarres entre Russes et reptiliens dans l'Oural. Dans l'Oural, non. Dans l'Himalaya, ça c'est des Américains. Enfin bon, toujours est-il. Et c'est là qu'ils avaient découvert qu'ils étaient infectés de nanites. Ouais. Bon. D'ailleurs, à propos, ils ont deux cœurs. Ils en ont un de chaque côté, paraît-il. Il vaut mieux tirer ailleurs. J'en sais rien. Mais il y a de la bagarre. Ah, il y a en tout cas de la bagarre avec les Anunnaki, je suis peut-être en train de confondre avec les Anunnaki, qui ont la capacité de créer des portails et de disparaître ou d'apparaître où ils veulent dans la pièce. Ouais, mais il n'y a qu'eux qui arrivent à voir où est le portail. Nous, on n'arrive pas. Mais enfin, bon, on avait parlé de ça, mais il y a longtemps. Hein. Bah, c'était peut-être autour de Nibiru, les opinions russes sur Nibiru aussi. Nibiru, dont j'ai entendu hier que ce serait une déformation de la situation de la Lune, en fait. Bon, j'ai un problème.
La Lune est bien un satellite artificiel couvert d'hologrammes. Il a raison, Bruce Sewall, il y a tout ça dessus. Il y a tout ce qu'il nous montre dessus. Et de l'autre côté, par contre, bon, il y a une vision directe du vaisseau, en fait, qui est camouflé, hein, mais sans hologramme. Reprenons. Bon, ces anciens, ces entités de l'autre univers qui sont invoquées, on traduit ça, nous, en disant qu'ils viennent du bas astral. La quatrième dimension, cet endroit dans lequel les scientifiques du CERN veulent parvenir à la suite de leurs expériences. En fait, ils l'ont dit, hein, officiellement. Hein. Ils veulent communiquer avec cet espace, faire parvenir des choses et en récupérer. Bon, a priori, il n'y a pas... le plus difficile, ce n'est pas de faire le trou, c'est de le maintenir après. Enfin, le plus difficile, j'en sais rien, mais enfin, parmi leurs difficultés, il faut maintenir le trou, et assez gros. Mais enfin, on sait tout à fait hein, ce qu'ils vont chercher de l'autre côté. Hein. Les macrobes, John Dee, la reine Elisabeth, déjà, faisaient le même boulot. On continue. C'est quand même une confirmation, hein, quelque part, qu'on est sur la bonne voie, sur la bonne piste. Quand vous avez des entités comme ça, historiques, qui ont la même pratique et les mêmes affirmations quasiment, ils se cachent à peine. Bon. Donc, les reptiliens ne peuvent pas faire ça, sauf durant les rituels. La chrétienté a appelé ces entités des démons, mais en fait, la chrétienté a fait autant que toute autre religion pour faire parvenir ces démons parmi nous. Et c'est la raison pour laquelle, quelle que soit la sorcellerie que vous pratiquez, ça n'a pas d'importance. Vous êtes toujours en train d'avoir commerce avec ces démons. Et de leur donner un passage, une voie vers ici. Nous dit Thomas Williams. Oui, je précise, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont affaire avec le petit peuple et ils n'en ont pas tout à fait les mêmes retenues d'emploi, de commerce. Les intentions ne sont pas les mêmes, remarquez. Hein. Ben, quant à moi, je pense qu'ils soutiennent... La vie normale sur Terre, la vie végétale, l'abondance, la néganthropie. Ouais. Mais reprenons. Oui, puis de toute façon, là, je ne faisais référence qu'à une magie verte ou une magie blanche particulière, végétale, du jardin, de la forêt. Oui. En général, les sorcelleries, c'est sur d'autres domaines. Bon, donc, la chrétienté a fait autant que les autres, aussi peu que les autres, contre ces démons, on va dire. Un cercle à l'intérieur d'un hexagone est un puissant symbole, nous dit-elle, Arizona Wilder. À l'intérieur d'un pentagramme, à l'intérieur d'un triangle, ces formes empêchent les entités de se saisir de la personne, de l'officiant. C'est une protection. Donc, a priori, les entités, pendant ces rituels, fournissent aux Illuminati des pouvoirs énormes, mais en fait, elles-mêmes n'auraient pas envie de le faire, mais elles y sont obligées par la technologie magique qui est employée par les Illuminati. Une invocation, c'est un ordre de... Car c'est un peu une des raisons pour lesquelles vous avez vraiment intérêt à vous connaître, parce que la responsabilisation de votre conscience, qui doit être la plus claire possible,
quand vous êtes dans cette situation-là, le moindre de vos défauts sera votre perte, sera la porte d'entrée par laquelle le démon va vous tenter. D'une part. D'autre part, il y a une nécessité de conscience de l'autorité que l'on a. De façon, puisqu'on a donné l'ordre de venir à pouvoir fermer le rituel, a priori, et chasser le démon aussi. Cette notion de pouvoir chasser le démon et d'être là en identité, c'est le moment où vous n'avez aucune peur. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, mais il y a des volontés, il y a des cristallisations, il y a des, je sais pas comment dire, il y a l'accès à la lumière vraie de votre intention. Vous voyez, je me perds un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a ce moment où il n'y a pas de doute. Hein. Une foi entière, d'ailleurs. C'est assez intéressant, ouais. Bon, on reprend. Donc, c'est un point intéressant à connaître et à pratiquer et à vivre dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'était ça pour la raison pour laquelle je vous amenais sur ce terrain particulier. C'est le moment où on récupère notre souveraineté totale. Vous voyez, en même temps, on est dans ce domaine-là. Là. Hein? C'est le fait que quand vous l'entendez l'autre dire n'importe quoi, vous dites, mais même pas, j'écoute. Quoi. Il est hors de question que j'obéisse à ça. Vous êtes assez décidé, vous voyez, pour vous dire, mais qu'ouis-je? Qu'entends-je? Qu'acoustiquais-je? Qu'est-ce que c'est que ce tas de BS? Bullshit. Où en sommes-nous? Est-ce tolérable? Ciel, suis-je? Dorme-je? Hein, voilà. Ça fait partie un petit peu de tout ça, hein, quand même. Bon. Et qu'il faut que ce soit très pur. Hein, qu'on ait fait assez d'introspection pour que tout ça soit clair. Pas vivre sur un ego démesuré, pas se faire tromper par des croyances à propos de soi-même, à propos de soi-même. Bon, on va reprendre, on va essayer. Donc Thomas Williams nous suggère de rester loin de cette quatrième dimension. Thomas Williams nous détaille un petit peu cette quatrième dimension. Il nous dit qu'il est là, ce dont on nous en décrit l'abysse où sont ces démons. C'est le troisième niveau. Et donc, l'astral se partage en deux niveaux, le paradis et l'enfer. Encore, certaines personnes à quelles je n'accorde pas vraiment beaucoup plus de confiance et crédit que cela, mais tout de même dans ces points-là qui sont communs à d'autres, nous dévoile la situation dans l'astral supérieur, si on peut dire, comme étant dépourvue de toute personne religieuse qui sont dans les niveaux inférieurs en désintoxication et rééducation. Vous voyez, déprogrammation. Alors, évidemment, toutes les personnes qui sont religieuses vont dire « Ouais, mais c'est parce que c'est le... » Tout ce qui nous vient de personnes qui ne sont pas de notre côté, c'est du mensonge et c'est l'enfer. Mais si on le prend comme ça, ça va mal. Si on le prend dans le fait que c'est une deuxième corde à l'analyse du sujet des entités en question et de ce qu'elles nous ont raconté des lieux et de leur réalité en fait de parasites énergétiques sur notre vie spirituelle entre nous et la source, ça fait une deuxième corde et donc moi ça me conforte plutôt. Enfin bon. Lors d'une interview avec David Icke, la question a été posée de pourquoi est-ce qu'il y avait une corrélation entre la Lune et ses rituels. Arizona Wilder avait précisé que le Soleil était aussi en cause et qu'il se servait des rituels druidiques et les religions d'Égypte aussi. Ils s'appellent eux-mêmes des druides. Et les druides sont basés sur les cycles, enfin, ont des pratiques basées sur les cycles lunaires. Elle a mentionné les druides et les égyptiens, mais la culture celte était aussi, avait aussi des tendances de sacrifice.
Elle dit qu'il y avait des gens qui étaient élevés depuis la naissance à des fins de sacrifice rituel. Il est très facile de faire disparaître un enfant à sa naissance. Il y a aussi des enfants qui sont kidnappés dans les pays du tiers-monde. Ils servent à des sacrifices sanguins. Les reptiliens ont besoin de sang pour maintenir leur aspect humain, leur forme humaine. Et ils consomment aussi, enfin, ils se servent aussi de différents organes sur le sacrifié en fonction de la date à laquelle le sacrifice a lieu. Bon, il nous décrit, il tranche la gorge de gauche à droite et il donne le sang aux reptiliens, puis aux gens qui participent au rituel. Il y a des rituels tous les mois de l'année et en général plus d'un, à toutes les pleines lunes, aux équinoxes, aux solstices. This is Beltane and many others. Beltane et plein d'autres. À propos, le 1er mai, c'est Beltane. Oui, c'est pas du tout la fête du travail. Mais quelle belle récolte des Grégores ce jour-là. Que de louche. Halloween est l'occasion d'un conseil des 13. Trois chevaliers en tenue, on va dire. Qui pratique donc un sacrifice en honneur à Satan. Halloween, c'est une fête d'honneur à Satan. La vulgarisation d'Halloween ces dernières années a un but de désensibilisation de la population vers ces horreurs. D'après Thomas Williams, cette pratique a pour but de sensibiliser le plus grand nombre de gens à les attirer vers la pratique de la main gauche, de cet illuminisme. And they're using the tattoo to lure as many of us as possible into the dark satanic practices of the left-hand path of false illumination. Ah oui, 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 c'est ça. Sur la fausse illumination, sur le côté satanique qui est en fait derrière la voie gauche de la fausse illumination, vers la fausse illumination. Et les enfants sont utilisés et tous les artifices d'Halloween et aussi les chants rituels d'Halloween et les petites comptines ou les expressions. En fait, il nous dit, vous n'avez aucune idée de ce que vous pratiquez et de quelle est la signification des chants que vous pratiquez là. De la même manière que les Indiens d'Amérique du Nord, lorsque vous pratiquez leurs chants, vous n'avez aucune idée de qui vous invoquez. En car, c'est très important de savoir profondément quelle est la signification des paroles. Donc, méfiez-vous avant de chanter n'importe quelle chanson rock, d'une part. Et d'autre part, il faut pas oublier que l'intention derrière compte. Hein. Mais comment dire, est-ce qu'on pourrait imaginer la meilleure des intentions derrière un objet dont le but est malsain? Je crois pas. Il y a pas de déchets nucléaires autour d'un saint, on va dire, dans l'idée. Enfin bon, reprenons. Le festival des moissons, c'est pareil. Les fêtes chrétiennes sont des représentations inconnues de rituels sataniques. Noël correspond au solstice. C'est en relation avec le solstice et c'est un rappel d'une ancienne cérémonie de meurtre de l'ancien roi. L'arbre est un symbole phallique. Les rituels du 24 décembre ont un rapport avec la programmation des enfants. Il y avait une question de meurtre d'enfants et d'abandon des familles de leurs enfants pour sacrifice. On a vu George Bush, Kissinger, Madeleine Albright à ces rituels. Ronald et Nancy Reagan aussi. Hillary Clinton est aussi impliquée. Alors, malgré qu'elle ne soit pas une shapeshifter. Alors, c'est vrai que dans mes dossiers de shapeshifting et de reptiliens et de particularités de certains personnages télévisés,
Il n'y a pas elle. Elle, on la voit en hologramme. On voit l'hologramme qui fonctionne mal. On la voit avec des états d'extase particulièrement chelous et exagérés, des ictus. On l'entend perdre des pièces. On la voit peser d'un coup 150 kilos. Hein. Les gardes du corps ont du mal à la soutenir. Enfin bon, c'est à la suite d'un meeting où elle avait complètement, on va dire, pété un plomb, quoi. Et elle avait fait un petit séjour de 3 heures dans une clinique d'esthétique. Elle était ressortie pimpante. Bon, c'était une sosie qui était ressortie, c'était flagrant. En disant, mais qu'est-ce qu'il y a? Enfin bon, c'était flagrant que ce n'était pas la même. Mais on ne l'a pas vu shape-shifter. Les deux fils de George Bush étaient impliqués, ceux qui sont devenus par la suite gouverneurs du Texas et de Floride, dont un qui est devenu président à l'occasion de circonstances arrangées en 2000, Jay Rockefeller, Newt Gingrich. Jay Rockefeller, Newt Gingrich, Gerald Ford. Gerald Ford aussi. Johnson, Mengele. Ce sont tous des shapeshifters. On va se le réécouter. Back in Texas, the latter became the president in fake circumstances in 2000, as we now all know. Hein? Jay Rockefeller, Newt Gingrich, Gerald Ford, Lyndon Johnson, Joseph Mengele, all these, she says, are shapeshifters. Bon, d'après Arizona Wilder, c'est tous des shapeshifters. Jimmy Carter était aussi là, mais il n'a pas shape-shifté. Donc tous ces gens qu'on vient de citer sont connectés avec les Illuminati. En Europe, le prince Charles, la reine mère, Tony Blair, et la reine de Danemark, je crois. La princesse Margaret. Le prince Philippe a aussi parfois des formes reptiliennes. Ce ne sont pas des robots, ils sont tous de sang-froid. Ils peuvent tuer at the drop of a hat, d'un clin d'œil. En un clin d'œil, je dirais. The French president was there as well. I presume this was President Mitterrand, he of the Leo Walter and the Reagan with the CIA one gang that raided the Russian assets. Ah ah, il y avait un président français, a priori Mitterrand, qui était là et qui aurait participé à une collusion avec les Russes, contre les Russes. Les Rothschild étaient là. Gail Rothschild est un shapeshifter. Il se fait appeler Dr. Barrington aux États-Unis. Ce n'est pas étonnant que les Rothschild soient mêlés à tout ça, puisqu'ils ont plus d'ADN Draco en eux que n'importe quelle autre famille. Et le shape-shifting est très connecté justement au groupe des reptiliens. Ce n'est pas aussi commun que ça, tel que c'est promu sur certains sites alternatifs. Je pense qu'il peut y avoir des technologies qui ont le même effet. Ce n'est pas le même effet. Oui, pour un spectateur, c'est le même effet. Pour la personne elle-même, non. Puisqu'elle ne changera pas. Par contre, l'aspect qu'elle a à vos yeux, je vais pouvoir changer ou pas. Donc, vous voyez, le même effet, juste au niveau du spectacle, ce qui n'a aucun intérêt, en fait, génétique. Donc, lui et le Rothschild, et un autre Rothschild, se sont débrouillés pour inséminer Arizona Wilder avec les graines de Pindar, et elle a réalisé ce qui lui était arrivé. Encore, il me semble que Lady Di aussi a subi ça. Guy de Rothschild, mais peut-être, a essayé de programmer Arizona Wilder de façon à la récupérer. Zakaria Sitchin était aussi au rituel. Ce n'était pas un acteur majeur, mais d'autres étaient effrayés par lui. C'est un désinformateur. Et il avait prévenu David Icke d'arrêter ses enquêtes sur les reptiliens. En Écosse, il y a un château Glamel.
C'est pas facile à entendre là ce qu'il dit. This castle in both in Scotland are used in the ritual. David Ive off from investigating. Donc là, il nous prévient qu'il faut pas enquêter sur Reptilien. Glamis castle in both in Scotland are used in the rituals. Glamis castle, donc utilisé pour des rituels. Glamis castle is owned by the Leon family. C'est la propriété de la famille Léon depuis le 14e siècle. Ils se sont mélangés avec la ligne Beauce-Léon, de laquelle est née la reine-mère. Stonehenge, l'abbaye de Westminster, et la mère de toutes les Mother of Darkness, la mère de l'obscurité, le château de la mère de l'obscurité, Mother of Darkness, Castel, qui se situe en Belgique, pas très loin de la frontière française. Il y a un château dont il a dit le nom, mais alors on va arrêter d'essayer de les retranscrire. Malheureusement, si tu avais la transcription papier, on pourrait en avoir ma prononciation. Donc, ce sont des châteaux qui servent à des rituels. Et il y en a un d'entre eux, dans les sous-sols duquel on peut trouver des rochers qui brillent vert, avec un halo vert de couleur, qui se transforment, changent de couleur et deviennent plutôt couleur de sang noir lors de certains rituels. Ils sont utilisés pour ces rituels. C'est un endroit très chaud où sont maintenus aussi en esclavage, enfin, comme des animaux de compagnie, des reptiliens. Et c'est aussi un lieu d'incubation des œufs de reptiliens. Godzilla. Alors, d'après Thomas, ces reptiliens domestiques, animaux domestiques, ne sont pas issus de leur race Draco, mais plutôt des raptors. Ils sont en bisbille, donc a priori, les raptors et les dracos. Et les raptors seraient en contact avec l'US Air Force, hein, d'après le capitaine Mark Richard, si on peut lui faire confiance dans ses interviews avec Kelly Cassidy. Mais bon, je ne sais pas. Oui, parce que ce qui m'épate, c'est quand on est à la tête d'une telle alliance, enfin, en contact avec une telle alliance, comment est-ce qu'on peut se laisser emprisonner et malmener dans les geôles d'État, n'est-ce pas? Thomas nous dit qu'il y a aussi des petits raptors comme ça en Amérique. Avant que Lady Di soit impliquée avec le prince Charles, Arizona aurait été imprégnée, fécondée par Charles, produisant un enfant qui a été condamné en rituel. C'est le prix à payer, le sacrifice du premier-né dans une relation avec une humaine. Ah, mais c'est assez étrange, cette histoire-là, parce que il y a un peu une reproduction de ce phénomène autour de la création de pas mal de groupes rock, dont finalement le chanteur ou le leader originel, souvent le créateur du groupe, est mort et dont la place a été reprise par un prétendant qui a conduit le groupe au travers des succès qu'ils ont. Ben, y a Queen, par exemple, y a les Beatles. Je ne sais pas si on peut dire la même chose des Rolling Stones. À chaque fois, il y a un membre qui a disparu de manière tragique. Les Beatles, oui, Paul n'est pas Paul. Hein. Mais il y en a un autre qui est mort. Camilla Parker Bowles ne shape-shift pas. Al-Fayed était en communication avec la reine-mère, qu'il appelait la reine noire. Al-Fayed est allé aussi au château de la mère de l'obscurité en Belgique. Là, il discutait avec la reine-mère d'un mariage entre son fils et Lady Di. Arizona n'a jamais vu Lady Di à aucun des rituels, mais elle a dit qu'il y avait des engeances contre elle, contre Lady Di, qui étaient fomentées lors de ces rituels.
Il ne faut pas oublier non plus que Diana, qui était une Spencer, n'est pas une fille normale non plus. Alors, les Spencer, waouh! Vous allez voir sur le site de Miles W. Matisse. Spencer. Enfin bon, au niveau généalogie, Miles Matisse, c'est aussi une pointure. Et il nous a retracé les origines de toutes les personnes connues, en fait. À chaque fois qu'il y en a une à laquelle on s'intéresse un petit peu, on peut remonter dans sa famille et on passe vers quelques familles principales, particulières. Et les Spencer en font partie. Mais ce n'est pas les seuls. En fait, tous les gens qu'on connaît là, ils sont fils d'eux ou filles d'eux. C'est hallucinant, hein? Hallucinant. Donc, je vous dis, moi, je pense que si vous ne faites pas partie des lignées familiales, vous pouvez vous décarcasser, vous n'arrivez jamais à sortir. Les places sont déjà prises. Ou c'est très, très rare, ou vous faites allégeance, quoi. Mais si vous n'êtes pas dans le club, dans leur club au pluriel, reprenons. Et gardons le moral. Ça ne nous intéresse pas, leur compétition, nous. Bon. Elle est de la lignée sanguine des Tudor et des Stuart. Hein. Jean. Marie Tudor et... Ton moulin va trop vite. Pardon. Stuart, je ne me rappelle plus qui c'était que je connaissais dans les Stuart. Non, parce que... l'histoire royale anglaise, déjà la française c'est complexe, mais alors l'anglaise, on reprend. Arizona nous dit que tous les membres de la royauté là, boivent du sang humain et mangent de la chair humaine. Bon, c'est une chance qu'on soit dimanche hein, pour vous raconter tout ça. Ben oui, c'est le jour du Seigneur. Non, ben, je suis désolé. Non, mais ce qui se passe à la messe est à traduire avec des yeux avertis et constater que buvez ceci est mon sang, mangez ceci est mon corps, c'est quand même assez bizarre hein, comme formulation. Alors à ce moment-là, il faut le prendre au second degré, bien sûr. Oui. Vous voyez, c'est constamment ce petit jeu-là de positionnement, d'interprétation, que ce soit de la Bible ou des traditions de l'Église. C'est pas sain de se mentir à ce point-là. Enfin bon. Par contre, si on conçoit l'idée d'un stratagème de parasite pour hacker les intentions et usurper des titres, ça rentre bien dans le cadre, non? On va reprendre. Bon, chacun des membres avait son gobelet avec ses joyaux dessus, dans lequel ils buvaient le sang. Ils avaient aussi chacun une dague, avec ce côté représentatif de la dague en tant que phallus pénétrant, donc un sexe féminin. Ça nous rappelle un peu toutes ces histoires autour d'Osiris et d'Isis, non? Alors, petit encart, hein, pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion, j'ai fait une vidéo sur... avec des informations en provenance de Remote View autour de Ra. Bon, Ra qui se sert de la rage de Hathor quand il est sous sa forme Sekhmet pour punir des rébellions humaines contre sa tyrannie. Hein. Et Ra qui néanmoins se fait passer... sous forme de collectif, je dois rajouter ça, comme un grand sage penseur dont les écrits dans la loi de l'un, ah, la loi de l'un, ah, I am Ra, sont à l'opposé de sa réalité de gestion à lui. Comment dire, il veut se comporter comme un tyran et nous maintenir dans un état religieux, recueilli, de dévotion et de recherche de la paix intérieure, avec des textes qu'il a écrits, lui. C'est quand même, comme qui dirait, étonnant.
dans un Remodio à propos de la loi de l'un, il en a été sorti que ce n'était pas vraiment pour notre bien. Ça rejoint l'opinion qu'a Wespenray et moi-même, par logique, de réflexion, hein. Pas de suivi de ce que dit Wespenray. Des intentions qui sont derrière les tables d'émeraude. Vous avez toute une démarche qui satisfait la curiosité, le côté mystique de ceux qui s'intéressent à tout ça, mais qui par la suite et vers la fin vous remet dans le rang principal, dans le flux principal de détournement des énergies humaines par l'entité centrale. Ce qui m'ennuie, c'est que le Père dont parle Jésus, c'est donc à nous le Draco. Et que quand il dit « pour rejoindre le Père, il faut passer par moi », son intention, telle qu'elle est traduite, est très différente de ce qui se passe vraiment. Et Toth, c'est pareil. « Mon Père était ceci, cela, son Père, c'est encore à nous ». Ou c'est Enki, mais de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Ou c'est Marduk aujourd'hui, mais ça ne change pas grand-chose non plus. Bon. N'oublions pas qu'à nous, il est en guerre contre d'autres. De sa propre espèce, de sa propre famille. Dieu le Père est en guerre contre d'autres. Ou en bisbille avec la reine-mère dragon, Mag. D'où pourrait provenir Magdalène. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. La partie de mots, en tout cas. Mais c'est une époque où les noms représentaient ce que vous étiez en train de faire. C'est Yahvé, vous savez, je suis celui que je suis ou je suis celui que je deviens. Quoi que ça en soit, le nom qu'il porte décrit ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est et ce qu'il est en train de faire. Donc, en fonction du poste qu'il a dans l'histoire du monde, il va porter des fois le nom de jardinier, des fois le nom... Ben, il semble que Satanas, en vieux sumérien, ça veut dire jardinier. Et oui, on n'est pas loin du jardin d'Éden, du coup, et tout ça. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Et des serpents, mais bien sûr. Il y a une manière de traduire tout ça qui est très intéressante, quand même. Elle est plus intéressante que celle qu'on connaît d'habitude. Ben, notamment parce qu'elle est beaucoup plus proche de la vérité, à mon avis. On reprend. Donc, avant le rituel, la reine-mère est assise sur un siège particulier. Les gens tournent autour en se comportant de manière rituelle, en prononçant des formules rituelles. Ils portent des robes avec rien dessous. Ces robes sont toutes très ornées, avec différentes couleurs. Donc, certaines robes sont pourpres avec des bandes dorées. Je pense que les robes dont il parle, ce sont des tenues de moine avec le capuchon, là. Enfin, de moine, élaboré, mais avec le capuchon, il me semble. Il peut même y avoir le symbole de la fleur de lys mérovingienne dessus. En cas. Oui, alors, aïe, 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 là, je ne vais pas me faire des copains. Mais tenez bon, les gars, on est du même côté. Je vous assure, regardez ça. Donc, là, on comprend pourquoi Dieu était nommé le nommeur de roi, hein, roi de grâce divine ou de volonté divine et tout ça. C'est pas en fait parce que le roi, là, il est issu d'une expérience génétique entre les Hittites, les Draco essentiellement, et une humanité qui était compatible. Bon, style ce qu'on a expliqué pour les Rothschild et leur poursuite de l'Arien pour les capacités génétiques, etc. Donc,
Donc, on comprend un petit peu mieux pourquoi le fils du roi peut être le successeur dans ces cas-là, puisqu'il représente les mêmes qualités génétiques, mais juste les qualités génétiques. Ça ne veut pas dire qu'il est un bon roi, hein. C'est juste le gars par lequel les Dracos veulent insérer leur pouvoir sur l'humanité, sur une partie de l'humanité locale. Hein. De toute façon, ils se débrouillent pour être à la tête de toutes les royautés. Quoi. Bon, ce n'est pas le sujet. Donc... je ne sais pas, moi, s'il y a du pouvoir derrière, mais ce n'est pas glorieux, quoi, comme origine. Donc, pourquoi vouloir de nouveau un roi comme ça, désigné par Dieu, avec ce Dieu-là, là, comme réalité ? Vous voyez ? Moi, je crois que c'est ce qui se passe vraiment. Alors maintenant, il ne faut peut-être pas généraliser, il y a peut-être des ascendances reptiliennes qui sont saines. Il est bien en guerre contre d'autres, hein, donc il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord avec son attitude à nous. Donc ils sont peut-être mieux pour nous. Je ne sais pas vraiment, hein, parce que c'est la même situation que Trump ou Biden ou Clinton. Kamala, quelque chose. Kamala Harris. Qui que ce soit qui gagne, c'est pas bon pour nous. Bon, ça peut être pire suivant lequel c'est, mais c'est pas bon quand même. Ben, c'est quand même un nouvel ordre mondial sous la machine. Il est quand même financé par les complexes militaro-industriels et hop, hop, on remonte là et bon, il y a une partie des SSP, des programmes spatiaux secrets, qui veut la disclosure. Il y avait une partie du Majestic 12 qui voulait la disclosure. Ils s'en sont tous débarrassés. Tous les mecs qui participaient, qui avaient un peu de sympathie et d'empathie envers l'humanité et qui faisaient partie de ces hiérarchies dirigeantes secrètes, MJ-12, etc., tous se sont fait mettre de côté. Voilà, donc c'est pas bon pour le moral d'y croire. On a besoin de se rendre compte de tout ça pour faire notre chemin et ne pas attendre d'aide de coin où ça viendra pas, la prendre du côté de là où elle vient. Voilà. Et rectifier un petit peu notre adulation pour un roi de droit divin. Enfin, je ne me fais pas de mille qu'effectivement, aujourd'hui, les humains qui ont ce parti de pensée ont des intentions saines. En tout cas, ceux dont j'ai entendu parler. Mais maintenant, on verra. Hein. De toute façon, ça, c'est pour l'après. pour l'instant, on est encore avant. Reprenons. Donc, dans sa série From Russia with Love, il nous a mis en garde contre les mérovingiens et carolingiens. La raison pour laquelle ils ne portent rien sous leur robe, c'est parce qu'ils vont. Leur but, c'est de faire des sacrifices, de boire du sang, de manger de la viande, de shape-shifter et après de partir en orgie. La reine-mère. Est en fait très de sang-froid et elle vit très différemment de la manière dont le public la connaît. Elle se régale de chair humaine et la seule personne dont elle a peur, c'est Pindar. D'après ce que Thomas Williams en sait, la reine était derrière le programme de programmation des enfants avant l'âge de 2 ans, tenu par George Walker Bush. George Herbert Walker Bush, où il terrorise les enfants avant l'âge de 2 ans. Il les mettait en présence de serpents venimeux, de chats géants, et celui qui survivait pouvait passer au niveau 2 de la programmation. Ceux qui ne survivent pas sont consommés. Les reptiliens, nous dit-elle, peuvent vivre des centaines d'années. La reine-mère a encore des années à vivre. Sa forme reptilienne va passer dans un autre corps humain.
en provenance de la pure lignée sanguine reptilienne. Les shapeshifting se passent très très rapidement. Ils deviennent plus grands, plus gros. C'est pour ça qu'ils ont besoin de robes, parce que les habits seraient déchirés. Ah, c'est à la Hulk, quoi. Et Hulk, en quelle couleur il se transforme? En vert. Eh ouais, bah tiens. Ouais. Hein, c'est peur, hein. Non, mais attention. Bon, on va alléger un peu la chose, là, quand même, là. On est quand même dimanche matin, vous êtes avec les petits croissants. Chérie, tu voudras ouvrir les rideaux, s'il te plaît, qu'on voit le soleil. Bon, qu'est-ce qu'il y a à la radio? Qui se roule dans le sang. Ah bah tiens, dis donc, tu me passes la confiture. Bon, dans ces cas-là, leurs mains, leurs pieds, tout se transforme, devient écailleux. Ils ont des griffes. Enfin, c'est la totale, quoi. Et leur queue s'agite autour d'eux lorsqu'ils sont excités. Donc, en fait, Hulk à côté, il est mignon, quoi. Bon, il nous l'a décrit. Elle dit qu'elle a des gros yeux ronds, avec évidemment des pupilles verticales. Et il mesure à peu près 2,10 m de haut. Le prince Charles a des ressemblances avec Pinda, sous sa forme reptilienne. Il est un peu plus petit. Bon, il nous les décrit avec précision, couleur et forme, mais on va passer. Arizona Wilder nous dit qu'ils sont carrément accros au sang et à la viande et qu'ils n'arrivent pas à se tenir ils n'en peuvent plus d'impatience lors de la cérémonie, des cérémonies. Et d'ailleurs, si le sacrifice ne va pas assez vite, ils s'en mêlent, ils accélèrent tout. Et il nous décrit ça, mais bon, on va passer. Vous imaginez une frénésie. Voilà. Ben, imaginez un quart de viande balancé dans l'aquarium où il y a tous les crocodiles qui ont faim depuis longtemps. Diane, Lady Di avait été choisie avant sa naissance pour l'existence qu'elle a eue à faire deux enfants et être sacrifiée. Elle savait ce qui se passait lors de ses rituels, elle n'a pas voulu coopérer. Elle a remarqué le bourbier dans lequel elle était après son mariage avec le prince Charles, puisqu'il semblerait qu'ils aient une tendance à shape-shifter pendant leur sommeil. Lorsqu'il y a une femme qui a ses périodes dans la maison royale, ça procure une certaine ambiance parmi les membres. Son enfant mort-né lors du crash faisait partie du sacrifice. A priori, Guy de Rothschild était dans le tunnel lorsqu'elle est morte et il était là pour récupérer son âme. Enfin, il dit Guy de Rothschild. Hein. Donc, j'incrimine personne personnellement, moi. Je traduis comme je peux. Alors, je dis ça parce que ça, c'est une précision qui est délicate. Et quant à moi, d'après ce qu'on a traduit à propos du boulot des chimères, qui font la même chose, mais à distance. En remote view, elle récupère le louche, l'âme. Enfin bon, ils font ce qu'ils veulent à distance. Pourquoi à distance c'est possible? Eh bien, parce que je suppose qu'ils changent de dimension et on passe dans une dimension où les distances et le temps n'ont pas du tout les mêmes valeurs que dans notre 3D. Raison par laquelle les remote viewers, par exemple, peuvent aller dans le passé, dans le présent et être sur place, ou dans le futur et être sur place. En tout cas, dans le passé. Assister à la scène. Mais bon, ils perçoivent des scènes aussi du futur, donc ils y sont. Ils y sont et les personnages psychiques les perçoivent. Assez souvent, les remote viewers nous disent l'entité sait que je suis là, alors elle traduit l'impression que ça lui fait, et si l'entité tolère et même répond aux questions, ou leur dit mais qu'est-ce que vous foutez là, dégagez. Bon.
il y a un espace comme ça, hein, ça va faire plaisir à Nassim Haramein, hein, on est dans la dimension du point zéro où il y a une actualisation de l'information générale constante. Lors du passage des protons, 220 milliards de fois par seconde, de la forme cubique à la forme sphérique, tel que l'aurait dit Walter Russell, vous savez. Et donc, à chaque fois, on prend l'information générale et on y amène la nôtre en même temps. Bon. Les Illuminati voulaient capturer l'âme de Diana. Encore, ben, il me semble que la raison pour laquelle elle est enterrée sur une île au milieu d'un lac avec deux cygnes noirs qui sont deux ennemis de sa famille, en fait. Enfin, il y a tout un rituel d'implantation, de disposition des lieux et qui me semble fait comme si on pouvait imaginer qu'effectivement l'âme de Diana était maintenue prisonnière dans une sorte de geôle énergétique. Alors, autre encart, ça n'a pas empêché certains hypnothérapeutes de rentrer en jonction avec l'entité de Diana. Enfin bon, c'est là que je me demande où c'est que ça se passe. Il y a peut-être divers niveaux de réalisation d'une entité. Il y en a certains qui sont toujours libres d'accès. Non, parce que dans sa geôle énergétique, je ne pense pas qu'il y ait contact avec l'extérieur. Hein. Sinon, bon, reprenons. Les gens ordinaires n'arrivent pas à croire tout ce qui s'est tramé autour de Diana. Mais en fait, les Illuminati ont besoin que les gens ordinaires ne croient en rien. Ni en leur présence, d'ailleurs. Mais les Illuminati ne peuvent plus se cacher aussi facilement qu'une fois qu'ils purent le faire dans le temps. Diana a été sous contrôle mental depuis très tôt dans sa vie et elle a été diagnostiquée comme ayant justement des désordres de la personnalité, comme on dira. En fait, ils ont fractionné sa personnalité par le biais de traumatismes en général. Ce que les gens ne réalisent pas non plus, c'est que c'est bien plus commun que ce que l'on peut le penser. Les médias alternatifs sont bourrés de gens programmés. Tous les super soldats, Hugh Tellos, Randy Morgan, Natalie Neatine, Chloe Kirker, Laura Leon, Shane the Runer, Stuart Swerdlow, Mark Passio, Patty Broussard, and the list goes on and on. And on. Bon, on se la refait la liste là quand même. Mark Passio, Patty Broussard, Laura Leon. Lauren Leon, je ne connais pas. All the super soldiers. Tous les super soldats. Bob Tellos. Hug Tellos. Randy Morgans. Morgans. Manly Neatane. Manly Neatane, je ne connais pas. Chloe Kirker. Chloe Kirker, je ne connais pas. Lauren Leon. Robert Leon, je ne connais pas non plus. Shane the Runer. Shane the Runner, on connaît, puisque c'était un des participants à une interview qu'il faisait. Il y avait d'ailleurs Drake en fond, hein, aussi. Swerdlow. Stewart Swerdlow. Alors lui, il a beaucoup parlé sur le projet Montauk, sur sa vie de famille aussi, son grand-père qui était proche du tsar, etc., etc. Et lui, ce qu'il a subi et comment il a été un Montauk boy, hein, il a subi des traumatismes, il en est devenu aveugle plus ou moins, mais ça lui a développé en même temps sa perception de la vie intérieure, la vision intérieure. Donc, voilà. Mark Passio. Mark Passio, c'est un ancien, il était même prêtre, me semble-t-il, dans les hiérarchies sataniques. Patty Broussard. Patty Broussard, elle a changé de sexe, me semble-t-il. And the list goes on and on. Et la liste continue donc, encore et encore.
Encore, je pense que si Kerry Cassidy n'a pas été cité, c'est parce qu'il ne veut pas insister dessus, parce qu'elle-même dit qu'elle est née sur une base militaire. Elle se compare un petit peu dans X-Files à Scully Mulder. Elle se compare à Mulder. Mais bon, dans X-Files, Scully aussi s'est fait abducter et apporter un enfant et porte un implant. Bon, donc, voilà, quelque part, ne faites pas partie des gens qui sont programmés pour participer à la disclosure d'État, mais version le... Il y a plusieurs factions, de toute manière, dans le Deep State, dans les SSP, et il y en a sûrement une faction qui voit un intérêt à développer dans le public la disclosure, la révélation de la présence d'ET et de tout ça, parce que ça provoque certaines choses et que c'est ce qui les intéresse. Il y a des gens qui disaient, mais les MSM, là, si, ils pourraient soutenir Trump, si Trump, là, ça les intéresse de le soutenir. Si en soutenant Trump dans telle occasion, l'action de Trump ne leur sert pas à elle, les MSM. Bon, on sait qu'ils sont derrière les MSM aussi, hein, les mainstream médias, hein, on sait. C'est en général le complexe militaro-industriel, entre autres. Reprenons. Certaines de ces personnes se sont retournées aujourd'hui contre Thomas Williams, The People's Club. Mais ça peut faire partie. C'est une attitude qui a pu être programmée chez eux. Oui, effectivement, Randy Morgans, aujourd'hui, a priori, en veut à Thomas Williams pour. Cette idée de faire un club du peuple, enfin, je n'ai pas très bien suivi tout ça, mais, et puis ce n'est pas le seul. Mais Thomas Williams n'est pas le chef de People's Club, il est à l'origine, mais il n'est pas chef. Le People's Club, c'est tout le monde est chef. Hein. Ben, tout le monde est unique, égal. Bon, reprenons. Donc souvent, ce n'était pas les personnages eux-mêmes qui se retournaient contre le THI d'ailleurs, c'était plutôt des commandes provenant de leur handler, de leur contrôleur. Et c'était donc un des personnages dans la personnalité fractionnée qui était aux commandes de cette attitude revendicatrice envers THI et non pas le personnage originel. Tous ces gens sont les victimes d'abus horrifiques. Mais par contre, horrifiants. Mais par contre, il faudrait quand même qu'ils se prennent en charge pour lutter contre leur programme. Car ni Thomas Williams, ni THI ne sont leur ennemi. Il arrivait que Diana ait des temps manquants et revienne avec des marques sur le corps. D'après Arizona, Williams n'est pas le fils de Charles, mais plutôt celui de Pinda. Donc, Diana a été fécondée, mais elle s'en est pas rendue compte. Ça a été fait lors d'une cérémonie. Il y avait dans cette symbolique la concrétisation de l'idée de Horus. Il y avait dans cet acte la symbolique de Horus. Le fils de Pindar, et Pindar symbolise Horus. Oui, voilà toujours ces trois personnages. Osiris, dont tous les obélisques sont une référence. Ben, une référence à son pénis, hein, entre autres. Encar, on n'oublie pas que ça peut aussi avoir une fonction de technologie. Mais bon. Isis, qui est représentée par ce faux pays, de Is, Ra et El. La Suisse, la soi-disant patrie neutre des Rothschild, qui a été nommée d'après le nom des sœurs jumelles, ce qui se dit en allemand « Geschwister ». Et « Suisse » en allemand, ça se dit « Schweiz ».« Geschwister »,« Schweiz », yes, on y est. « Is and is », et donc « is this ». Et « Horus », qui est le vrai nom pour Jésus. La lettre J n'existait pas avant le 15e ou 16e siècle. Et Thomas Williams est désolé si ça obsède certains suiveurs de Jésus.
Mais ce sont les faits et vous les découvrirez vous-même si vous le faites avec un esprit ouvert. La Bible, c'est l'histoire de ces reptiliens et de leurs descendants. Noah, Melchizedek, Moïse. Noé, Melchizedek, Moïse, oui. Ces trois-là avaient une peau écailleuse, par endroit en tout cas. Endroit qui était connu comme étant la marque des Néphilim, là où il y avait cette peau écailleuse. Et non, ce n'était pas de l'eczéma ou du psoriasis, c'était de la peau reptilienne. La Bible est le livre des Hébreux Anunnaki. Et ça aussi, vous le découvrez vous-même avec un esprit ouvert. Tout a été étudié aussi dans notre série « From Russia with Love ». Une vidéo que je ne vous ai pas traduite, mais dont parfois vous avez des informations dans mes encarts, évidemment, et puis dans, dans mon terrain de réflexion. Il semblerait que hébreu, ça veut dire ceux qui viennent de l'autre côté. Et les textes, donc, je vais peut-être me répéter là, les textes sur lesquels travaillait Mauro Biglino décrivent effectivement l'arrivée de vaisseaux spatiaux et le contact avec des entités surhumaines à de nombreux points de vue, intellectuels, technologiques, psychiques, il n'y a pas de problème, mais qui se comportent de manière carrément sociopathique finalement avec l'humanité, avec les personnages. Ils les mettent sous influence, ils les mettent sous hypnose, ils leur font des trucs pas croyables. Et ça, ça a été développé dans certaines séances de remote view à propos de la pierre d'Amourabi, donc l'histoire de Ra, le contact sur le mont entre Moïse et Yahvé, Jupiter, Zeus, le criminel, pédocriminel, sexuel, criminel, enfin une totale, et tyran en plus. La construction et la destruction de Göbel Tepe, enfin, à de nombreuses reprises, hein, finalement. Reprenons. Ah oui, et puis aussi l'état d'esprit des papes, des quatre derniers papes, peu de temps après leur intromission, leur entrée en fonction. Je ne sais pas si on dit intromission. Je ne sais pas si on dit intromission. Mais bon, reprenons. Vous croyez toujours que Horus va revenir après 2000 ans, ou Jésus? Eh bien, écoutez ça. En 2000, en l'an 2000, c'est l'âge d'Horus. Et il y a un sacrifice d'impliqué d'une mère et de son bébé. Et ça implique la survie d'un autre enfant de la même mère. Or, en l'an 2000, Diana est morte dans ce tunnel. Et elle devait mourir dans ce tunnel. Donc, il fallait qu'elle récupère son âme et l'essence de l'enfant non né depuis ce tunnel. J'ai dit en l'an 2000, je ne sais pas, hein. Revenons là-dessus. Ils auraient aussi récupéré le fœtus et l'utérus et d'autres parties du corps qui auraient été distribuées parmi des hautes pointures Illuminati. L'an 2000 était aussi connu sous le Y2K. Y2K, c'est la prononciation de Y2K, ce qui signifie Year 2000, donc l'an 2000 en anglais, en abréviation. Y2K. Ça se prononce why comme pourquoi, why. Et vous voyez lire ça comme pourquoi deux clés ou pourquoi qu'est-ce, je ne sais pas. Reprenons. Donc en fait, est-ce que c'était le passage de Yahweh à Kalima? Donc Y, tout vert et K. Y pour Yahvé, K pour Kalima. Kalima, c'est la déesse mère lune, au sacrifice sanguin et tout.
plus ou moins culte de Lilith aussi, mais Lilith, mère de toutes les vampires et celle qui buvait le sang des enfants, enfin, cette version-là. Earl Spencer, qui est le frère de Diana, a été aussi soumis à des rituels. Il est lié à la lignée sanguine. Son père a été aussi présent et impliqué dans les rituels bien avant qu'elle soit née. La boulimie et les automutilations qu'elle s'infligeait font aussi partie des signes du programme mental. Et lui aurait été impliqué là-dedans, le père, donc. Ça nous ramène aux vidéos qu'il a faites sur l'entraînement Illuminati, les vidéos Illuminati 1 et 2, d'après l'entraînement qu'a subi Swally. Tous les enfants des familles, des lignées sanguines, passent par ce genre d'entraînement et les programmations qui vont avec. Elle dit que les enfants peuvent être programmés à toutes sortes de choses et que cette mémoire s'inclut dans les cellules des glandes. Oui, j'ai peut-être mal traduit la fin, là. Et quant à Henri Paul, le chauffeur, qui était aussi un individu sous contrôle mental, il a très bien pu être drogué et programmé. Les gens programmés ne montrent pas d'effet de l'alcool ou des drogues, suivant le programme. Bon, Thomas Williams n'est pas du tout d'accord avec ces dires. Il dit que l'alcool et les drogues ont un effet massif sur les gens programmés, et il le sait parce qu'il a vécu avec des gens programmés. Elle dit qu'un des programmes d'Henri Paul a été son entraînement pour heurter le 13e pilier. Et c'est tout à fait le genre de numérologie gématrie avec lequel ils aiment jouer. La gématrie est plutôt un codage hébreu Anunnaki. N'est-ce pas, Q, dit-il. En cas. Alors, effectivement, quand je me suis intéressé à la relation entre Trump, Q et les médias, et les tweets de Trump, et tout le codage inclus là-dedans, il est clair qu'il faut prendre toutes les lettres qui sont en majuscules et en voir la valeur gématrique, voir quelles sont les définitions attribuées à chacun des nombres obtenus par la gématrie, faire le tri dans quelques-unes des propositions pour avoir une correspondance avec le sujet qui est évoqué dans le tweet, mais de manière... caché. C'est vrai qu'il y avait une correspondance avec plein de choses. Mais bon, comme disait quelqu'un, ça me paraît trop simple pour être du genre de code par lequel ils communiquent entre eux. Mais je ne suis pas d'accord là parce que c'est déjà assez chiadé. Il faut être assez costaud en calcul mental lorsque vous entendez une phrase à la télé et que vous arrivez à la décoder comme ça. Il faut connaître toutes les valeurs des chiffres, des lettres, à arriver à voir. Il faut un certain état d'esprit. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Par contre, si vous vous posez, vous pouvez tirer les informations. Donc, je ne sais pas, moi je trouve que c'était assez fin. Mais ça ne veut pas dire que du coup, Q et Trump soient sains. Non, juste dire que ça fait longtemps que leur plan est en préparation et qu'il est assez chiadé, effectivement. Et que ce n'était pas à la portée de tout le monde de trouver ça. J'avais tiré ça d'un site américain qui s'appelle Serial Brain 2. Serial Brain, comme Serial Killer, mais là c'est Serial Brain. Bon, c'est le petit génie 2. Et ça a été repris par la suite par le site Anwino. Très chrétien, lui, qui en rajoute énormément là-dessus. Bon, on continue. Alors, elle nous dit à propos d'Henri Paul et de son 13e pilier qu'il n'aurait pas été conscient de ce qu'il était en train de faire, que ça aurait été déclenché par un signal extérieur.